Je vais mettre le buff lunette. Comment ça se faire tard là. Je pense que c'est pas mal. Il a passé des 4 heures de live. Des composants. Les trois cosses sont forts, bah non, c'est... on est en libre, parce que ça peut combiner bien avec l'élu. L'élu. Alors, Big Shot, Punk de ses morts. Alors lui, j'ai... en poubelle, Jax. Hein. C'est trop dur à jouer. Lilia. J'aime bien Lilia. Petite frontline, line belt. Je pense que c'est ok. Et on va acheter les deux Nami. 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 Une petite Evelyne là. Boom. Ah. Ah ok, on a une sortie plutôt... Ok. Ah, c'est chiant de le KDA quand même, non? Là, j'ai bien envie d'acheter. Je pense qu'on s'en fout de l'Ilia 3. Après, il faudra une Ilia de rechange. Coin, coin, fais le petit canard. J'ai envie d'acheter Taric. Parce que là, je vends Corki. On s'en fout de Corki. On s'en fout de Big Shot. Oui. Ok, ça sent le Sunfire Zap. AFK. Alors c'est pas ça. C'est pas ça. Ça c'est pas mal. C'est pas ça. Quelques composants. J'ai pas de KDA. C'est un peu con. Je fais Selfire, Claw, casque adaptatif, Warmog, Bramble. Sinon, attends, elle va tout. C'est quoi? Courage. Voilà. Allez! Au charbon, la cousine! Essaye de tenir plus de 10 secondes! Ah, qu'on me dise pas que j'ai pas de tank. Hein. Ne me dites pas que j'ai pas de tank. Je vais mal le prendre. Là, on a un mur devant. Hein. Une chèvre, c'est un mur. Simple, efficace. Bon alors du coup ça sert à rien que je joue super fan dans cette game puisque Lilia ne peut pas avoir d'item. Donc ça dégage. Du coup Disco ça dégage. Et ça me paraît même pas mal puisque nous allons partir vers KDA. Là il faudrait Evelyn ou Serachan. Ok, Corki 2 pourquoi pas ouais. C'est pas exclu qu'on joue AD aussi. Hein. Kenny. Qu'est-ce qu'il veut faire Kenny? Kenny! Kenny. Kenny! Kenny! 4, 5, 6, 7, 8. Non, là, je pense qu'on va juste jouer avec cette Ilia, on va faire de l'économie, on va perdre des rounds, forcément. Ah, il y a deux Sunfire, maintenant, fais chier. Sunfire, c'est notre counter. Hein. Allez ! Hey, Corki, balance de la roquette, mon frérot. On va jouer 4 sentinelles aussi.
Ah dommage, j'ai toujours pas qu'à y aller. Je pense que c'est incorrect de push ici. J'ai rien qui peut réellement me renforcer. J'ai pas un setup qui fait que je vais chain win, juste je vais avoir mon tank dans cette game. Donc je pense que je rollerai au 6 pour avoir Amumu, ou au 7 pardon, pour avoir Amumu ou Michel. Ça c'est relou. Ça c'est très très très... Ouais, non, je balle jamais, level 5. Sadami va me chain CC. Après il a beaucoup de dégâts AP, mais bon, il a statique. Ça va tomber plus vite que prévu. Faudrait qu'elle casse une fois la Lilia. Une fois. Oh la régène. Putain, j'ai battu un level 5. C'est trop bien. Bah, je vais peut-être pré-push en fait du coup. Hein. Ça change mes plans vu que je gagne là. Parce qu'il y a pas mal de trucs qui peuvent me plaire franchement. Il y a Dazzle, KDA, il y en a beaucoup quand même. Est-ce qu'il y a un truc qui me plaît là-dedans? Baguette. Baguette du fromage, il y a Echo. Echo agréable. Faut que j'aille un item offensif. Là, il faut que j'interdise les belts, les clos et tout. Donc, quitte à... Ouais, putain, non, ils vont prendre Tirégan. Non, ça dégoûte. En plus, c'est sur un bar, c'est tout ce que je veux. En l'air. Voilà ce que je vais faire. Pourquoi il a pris une tire? Il fait rien dans mes rôles en plus. Putain, j'avais Bart qui rentrait, j'avais une tire. Ça a changé toute ma game. 8 bits. Ribbit. Alors est-ce que je suis prêt à perdre et passer le palier pour 8 bits? En vrai, il faut que je gagne. 8 bits. 8 bits, on a Corkido. Hein. Riven a fait des bons dégâts en early aussi. Bon, alors du coup, cette belle, ce sera Guard Breaker. Hein. Ce sera rien d'autre. Hein. Ah bah, maintenant des shields, Sona. Du coup, c'est pas exclu que je joue AD dans cette game. Hein. C'est pas parce qu'on a un petit start AP que. Oh, mais c'est pas en starter, on a Big Shot. Je ne peux pas faire le palier. Deuxième chèvre. Alors on a KDA, qui est un bon choix à mon avis, puisque les champions KDA profitent du bonus x2. Et puis voilà. C'est pitre. Toi tu sers à rien toujours. Je sais pas si ça c'est pas mieux. Parce qu'en vrai là, au vu de ce qu'ils ont fait les coups, peut-être mieux que Nami, hein. Même si Nami c'est un CC. Nice, un level 4. Ok. Deuxième fois qu'on fait une chain win. Cool, je suis content. Peut-être qu'il y a... Elle a fait le taf. Alors, je vais juste prendre de l'eau. C'est une belle chèvre. C'est la chèvre de Monsieur Seguin. Y'a rien dans mes rôles. Bon, là, il faut absolument que je trouve un élu. Tank. Pour remplacer Lilia. J'ai interdiction de prendre un élu carry. Parce que là, je vais déséquilibrer ma compo. Ça. Même si j'ai une chèvre de remplacement. Je pense que la clé, ça va être le niveau 7 pour moi. Pour le mieux, c'est clairement Echo. Mais je serais ok de Amumu pour le coup. Ça peut être Mordekaiser aussi, donc voilà, juste n'importe quel tank en vrai porte stuff, donc BF c'est cool. Ça peut être une game AD, hein.
C'est de la thune. Shojin. Ah ah. Shojin, Nico ? Pas mal. Shojin. Qu'est-ce qu'il va porter, Shojin ? Corki, hein. Corki porte Shojin. Un KD un peu mieux. Bon, alors du coup, super phase, on a dit qu'on peut pas le rentrer. Y'a Nami qui est là également. Je pense que ça va être Corki, hein, le cousin. Deux Lilia, je pense pas que ce soit mieux. Sinon, c'est deux Lilia en vrai. Les deux profitent de Sentinelle normalement. Et je Shojin Corki. Ouais. Et ça le fait. Bah ça y est, là on va peut-être aller au 8 hein. Avant de changer notre élu pour un Blitzcrank ou autre. Parce que c'est vrai que je vois pas ce qui pourrait être mieux que Lilia dans l'instant T. Et même si, bon si, tout ce que j'ai dit, elle est mort de Kaiser et tout. La différence c'est que je devrais roll au 7. Est-ce que j'ai envie de roll au 7? Je suis pas sûr. Tout dépend des prochains rounds. Ça c'est fine, du coup ça me permet de continuer à snowball. Ça c'est fine aussi parce que j'ai démarré avec 3 enclumes de plus. Donc c'est peut-être la tech en vrai. Je mettrai du coup la belt sur qui? Sur l'autre Lilia? Ça c'est flexible en fait, ça me permet de jouer tout ce que je veux et tout le monde est renforcé. Mais ça c'est pas mal parce que j'ai plus de composants que la moyenne. Mais là... Warmog et prendre bulk, c'est con. Hein. C'est pareil. J'ai envie de continuer à snowball un peu avec ça. On est en train de stacker le 8-bit, donc la game Caitlyn n'est pas exclue non plus. Avec Shojin Guardbreaker, je pense que ça se joue. C'est nice, il a raté son Shroud. Bon, c'est ok de perdre, hein, là, clairement. On essaye, bien sûr, de continuer à snowball avec tons of stats, mais on peut pas non plus battre tout le monde. Allez, il y a un petit heal. Nice. Allez, Lilia. Nice. Quoi? Je pense qu'il y a une IE. C'est la IE? Oh, je suis fou. Je suis fou, hein. Oh. Attends, il a la IE ou c'est quelqu'un qui lui a donné un item? Ah non, c'est Parting Gift. Putain, il avait pris ça tout à l'heure aussi. Il l'a repris encore. Ok, il a l'air d'aimer ça. Quel dinguerie Echo quand même. Je fais une petite erreur de positionnement, ouais. Comme ça. Je pense qu'il y a une vente de Nick. Maintenant qu'on a perdu, je pense que c'est vente de Lilia au 7. Vente de Lilia au 7. Je pense qu'il y a tellement d'unités qui sont mieux qu'elle en fait. Pour être honnête. Pour un tank. Un tank. Comment j'ai dit ça? Il faut un tank dans le jeu. Préférence sentinelle, je dirais. Là, c'est Sunfire qui me bute. Hein. Et bon, il s'est raffiné qui. Most broken champion in the game. Même là, on a deux Nico qui arrivent, donc on peut tout à fait avoir Nico qui récupère le stuff. Alors, on a dit. Ah, bah ça, c'est incroyable. Ça me donne Nico 2 plus que je veux. Si. Non. Allez, s'il vous plaît, un carreau que j'aime bien. Putain, c'est dingue ça. Y'a un angle de Nico 3 hein, cette game. Alors est-ce qu'elle est très conteste? Oui, elle est très conteste, ok, donc y'a pas d'angle de Nico 3. C'est vrai que. Oh, on l'a pas vu. Guardbreaker Nico 2, c'est chouette. Hein.
Bah, il faudrait commencer à avoir un meilleur porteur que Corki. On a combien dans le 8 bits? On a 5 sur 10, hein, c'est énorme. Pour une game de base qui n'était pas 8 bits. Ribbit. Et du coup, maintenant que j'ai Nico 2, est-ce que je dois pas trouver un carry élu? Je crois que si, hein. Là, on vend Lilian et Corki dégage. Et on trouve un 3 cos qui porte ça. Je crois que c'est la tech, hein. Genre une Lulu ou un... Bah si, en fait, la Nico 2 change tout. Parce que là, si je trouve un élu tank, bah Nico, elle va dire fur. Elle va dire, putain, pourquoi tu mets pas des items sur moi, fraté? Et je serais bien d'accord avec elle. Ouais, je pense que du coup maintenant ça change, c'est un élu carry. Donc Lux, Lulu... MF. Bard. Oh Bard, ouais Bard. Bard, ouais Bard. Oh, il aime bien Bard, mais je pense qu'on peut trouver des 3 costes là au prochain level. Pas se faire chier. Donc on vend ça. La chèvre, qu'est-ce qu'on fait avec l'autre chèvre? L'autre chèvre ici. Faut rester ouvert. Lululux. Kaïssa. Il y a MF qui est bien en vrai maintenant. MF est bien. En vrai je peux tout jouer. Avec Shojin Warbreaker, ce qui est bien c'est que tu peux jouer littéralement tout. AD comme AP. Juste il faut que c'est du range. Donc gardien on s'en fout on a dit. Je jouerai pas. Au mieux, je joue à Mumu quoi. Et elle, pourquoi je la garde depuis tout à l'heure? Là où on joue TF, ça. Hein. 70 PV, mais je me trouve dans un bon spot étonnamment. Ouais, MF j'aimerais bien. Est-ce que j'y vais maintenant quand même pour prendre le temps? Ouais. Surtout pas. Bah, Alice c'est pas sa game alors. Ça on a dit non. GTF2. Exec. Tu rentres. Oh, le TF2 il va me prendre la tête là, je sens. Amumu gardien. Il faudra peut-être un zap. Du coup j'ai pris un dieu du tank parce que le jeu m'a donné un ETF de gratuit. Ceci étant dit, il faut que j'ai disco. Et j'ai pas Gragas. C'est un autre problème. Oh, ça joue à rien. Putain, ça joue à rien. Ah, je suis deg. C'est pas évident de tout changer. L'œuf, ça peut être une game œuf. Je pense que j'ai un bon setup pour jeu. Faut que je prenne des risques, non il faut que je top 1, de toute façon on s'en fout de faire top 4 dans ce tournoi. Top 1 en rien. Je vais prendre l'œuf. Sauf si j'ai une dinguerie ici. C'est pas mal. Qu'est-ce qui sert à rien? Toi tu sers à rien. Toi tu sers à rien. Toi pourquoi pas, toi pourquoi pas, toi pourquoi pas. Et en vrai je suis chaud de 4 gardiens plutôt. J'ai enlevé l'ami. 4 dazzlers c'est pas mal.
Elle arrive doucement. C'est pas mal. Faut que je rentre Ziggs. On a toujours la mumu de ses morts. On va prendre une gargoyle. Ah, Yone qui s'infiltre. Oh, Yone qui s'infiltre. Oh non, ça c'est vraiment terrible. Putain, j'ai de la frontline de Zinzin, mais Yone a fumé mon œuf. Ça c'est crotte quand même. On dit pas assez, mais c'est crotte. 3 Dazzler, 3 Disco, 3 Gardiens. Yes, yes. Je suis ok. Je pense que je peux gagner avec l'œuf. Je réfléchis juste à ce que je fais 4 Dazzler. Parce que je sais que ça a été buff. Alors que lui, il est clownesque en fait. Qu'est-ce qu'il y a en trop? Est-ce que Disco, c'est pas en trop en vrai? Lui, c'est en trop. 4 Gardiens. Qu'est-ce qu'il fait? Il y a une chèvre! Ah, mais il y a une chèvre depuis tout à l'heure! Lux 2. Aussi, c'est en trop. Alors que 2 Nico. C'est pas en trop. Et là, on est pas mal, non? Est-ce que genre la Nico 3, on a dit qu'on pouvait pas la trouver, même si j'en ai deux. Voilà, il y a deux de Nico. Il y a un œuf au bagarre qui ! Et il a aussi deux Nico ! Mais il a Echo 2, ah ouais. Moi j'aime. Oh, il est mieux. Putain, mais il a des dégâts AD lui. Mais c'est qui tank comme ça? Mais. Vas-y, c'est pas possible, Echo. Echo lui aussi, il faut le nerf. Ah, il va casse à 1 HP, eh ouais, bah ouais. De toute façon, voilà ce qui va se passer. Toi, tu vas dégager. Toi, tu vas dégager. Et je vais aller au 8, je vais vendre à 8. Ah, c'est bon, ça va, c'est bon. Sona, Spat. Sona. Moi, je veux GS, Akali. Sona. Putain, il prend Sona. Il prend Sona. GS. C'est neuf ou rien. Il faut que j'aille tous mes rounds. Je pourrais pas trouver Nico 3, donc ça sert à rien de continuer à roll. Abubu 3 qui me bouffe le Hulk. Et il faut que je puisse trouver soit élu TF, soit élu... Allez mon petit pote. Moche. Emo moche. Ah, mais j'ai pas de guerre pour elle. Elle était pas mal. Hein. Oh. Mais je veux pas, là, je veux un 4 cost. Un 4 cost. Guardian. C'est pas mal. C'est bien, hein. Merde, j'ai rentré les couilles, ça rien. C'est bien, ouais, ça. Aïe, le Karthus 2. Ah, il peut tuer mon TF. Oh merde. Ça c'est pas bon du tout pour moi. 4 Dazzler. Bon, je commence à avoir pas mal de frontline. Donc là, il y a 2 Nico qui servent à rien. Aussi dedans. Hein. De toute façon, là, il faut que je top 1 ou top 8 hein, dans ce tournoi. Donc c'est un bon play de prendre. Je pense quand même que ce trash est très très bien. Je pense qu'il y a 2 Nico qui ne servent à rien. Lui, alors j'en parle même pas. Tarik, Fur. Et là, non, mais en vrai, il juste faut que je rentre des dégâts. Sur ça. C'est comme ça. Mais du coup, j'ai pas lui. J'ai lui. 4 gardiens. Est-ce que je suis obligé de la verticale d'Az? Pas d'Azer, mais. Poppy, j'ai pas d'item pour Poppy. Parce que 4 Dazzler, ce qui va me donner un tout petit peu plus de dégâts, et j'ai l'impression que j'ai besoin de dégâts avec 4 gardiens. Peut-être que juste je joue une compo de pitre et qu'il fallait pas prendre l'œuf! Parce qu'il a Ginzo Sona! Ah, mais d'accord, ok, en fait il open et il joue Ginzo Sona, ok. Bon, l'œuf c'était pas le place du coup, les gars. Putain, j'avais une bonne game avec Corki et tout est parti en couille. Alors, regarde ce qu'il fait. Bon bah très visiblement, ça marche pas avec toi. Dernier jour du disco.
pris un autre. Oh, mais j'ai vendu Ziggs alors que je jouais Dazzler. Moi, je suis un con. Ah ouais, bah d'accord. Si je fais ça... Oh, en plus, j'avais pas de Shred. C'est exactement le champion qu'il me fallait. Oh ouais, non, c'est grave. Oh, ok, on gamble TF. Oh, bon plan. Oh merde, il y a lui qui est bien. Bon, attendez. Si je perds, on a perdu. Mais sinon, c'est pas mal. Parce que là, je suis one-off de TF3 avec l'élu. Hein. Y'a pas un meilleur gardien, là? Mais je peux pas, j'avoue, je peux pas gamble comme ça. Et il me faut un statique. Nice. Couille-je ? Entends-je ? Allez, Malux, elle a visé. Malux a visé entre les deux yeux de Ziggs et de... Oh ! Ah, mais j'espère que vous avez vu le cast. Hein. Elle n'a pas touché la Lux ni le Ziggs. Ah putain, cette game, je me suis emmêlé les pinceaux. Hein. Ça pue la merde, TF. Hein. Il y a des fois où il est fort, et des fois où il pue la merde. Hein. Bon, ouais, le chat. Bon, tant pis. Hein. C'était pas top 8 avec le l'œuf, on le savait. Mais malheureusement, j'ai pas réussi à bien le stab. Il fallait que je continue à roll au 7, mais... Je m'attendais pas à avoir TF2 naturel. Parce que Mayarki, pour le coup, il a fait un bon play. C'est-à-dire qu'il a... Il a pris l'œuf et il a roll MF3. Mais moi, je devais genre faire ça avec Vex. Vous voyez ce que je veux dire? Mais j'avais eu TF2. Ça m'a embêné les pinceaux. Ah, c'est con. En fait, j'ai perdu. Oh, j'ai pris pile poil une défaite. Elle tuait une unité, je vendais et je faisais TF3. Il y a combien sur l'œuf? Ouais, bien joué. Beau gamble. TF, c'est un build AS obligatoire? Ouais, ouais, je suis d'accord. Bon, après, c'est pas le pire. Enfin, je veux dire, c'est pas Ginzo statique obligatoire, mais. C'est très bien. Non, mais j'aurais pas dû vendre Ziggs, hein, c'est vraiment complètement con. Un ridicule de vendre Ziggs. Et ouais, j'ai pas réussi à stab une seule fois. Hein. Pas de bol. Ah, mais lui il avait TF élu. J'aurais du mal à trouver. Hein. J'avais GS Warbreaker. Oui, c'était bien. Ouais. C'était cool. Non, mais il faut se rendre compte quand même dans ce set des dingueries qu'il y a très tôt. Voilà. C'est-à-dire que là on est en stage 5. T'as des élus légendaires 2 partout. T'as des 3 costes partout. Le tempo du lobby, de manière générale, à bon niveau, parce que là c'est un bon niveau de jeu, est très rapide et très intense. Y a pas de chill en fait. Donc lui il est en train de perdre les rounds, mais il est pas loin de Yone 3, Ribbon 3. Mais lui aussi, ouais, voilà, ça c'est un truc de fou. Hein. Ça il faut scout. Hein. Ça c'est un truc, c'est bon, j'ai compris, je vais avoir le réflexe tout le set. Mais il faut scout ce que les gens jouent. Et là, la preuve, par exemple, Nico... je ne pouvais jamais l'avoir dans cette game, du coup, je l'ai lâché. Et alors, par exemple, la game de Samira... Pourquoi j'ai joué Samira dans la game d'avant? Parce que je savais que j'allais être solo sur elle. C'est-à-dire qu'il y avait un autre joueur de Riven, en moment. Merde. Oh, je parlais de cash, putain. Il a eu quoi? Infinity Force, Zonia, Adima, Champion Duplicator? Hein? Ah ouais? Ok. 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 Ok.
Ok. Sur Gaïssa. Au luxe. C'est pas dingue, cet item. Et bien, il joue aussi super fan, hein. Il a joué super fun. Il y a un truc à faire avec super fun. Hein. Il y a un truc à faire avec super fun. Je pense que super fun, c'est un peu sous-côté. Le setup est très simple. Hein. Il y a une vieille Dilia, vieux Kennen, vieille Nico. Tu mets Echo pour réunir un peu les trois. Ça donne Sentinelle, ça donne True Damage et bon, tu peux faire du Spell Weaver derrière. Et tu vois. Ça t'emmène trop loin. C'est ça que Lilia 2, Kennen et tout, c'est vraiment pas mal. Et c'est encore mieux quand tu l'as naturellement, c'est-à-dire que sans élu. Parce que pour le coup, l'item de Lilia en super fan n'est pas à dingo. Et tu dois la vendre. En fait, sinon, tu dois vendre les super fans. Tiens, Setsuko, j'aimerais bien revoir sa game, hein, parce qu'il a... J'ai vraiment l'impression qu'il y a un joueur... Je l'ai vu à 38 HP à la fin du stage 3 ou 4. 3, hein. Et d'un coup, tu le vois pop, Zigzelus, Sona 2. C'est quoi le bon gear de Yone? Il a mis à quoi? Il a mis à Hoge Yone, non? Hoge. Ça joue, ça va très bien, Nadicool, merci. J'ai dû aller chercher Daron à l'aéroport, il m'a placé. Ah, j'ai top 8, malheureusement. J'étais ok, j'étais dans un bon setup, mais là j'ai fait. J'ai fait un bottom, donc bon, déjà je pourrais pas gagner le tournoi. Mais j'apprends. En plus, je joue des trucs que je joue pas trop. Genre, j'ai joué deux fois Riven, c'était les deux premières fois que j'ai joué. J'ai joué Country, que j'ai jamais joué non plus. Et bon, ETF, j'ai déjà joué par contre. Mais je sais pas, ETF, je connais pas, j'arrive pas à comprendre la clé de quand ça marche, quand ça marche pas. Je sais pas s'il faut jouer Disco, je sais pas s'il faut jouer Dazzle 4, je sais pas si il faut des items précis. Bon là j'avais un 9, donc dans cette game ça compte pas, mais... Faut comprendre TF, comment il marche. Je crois qu'il downscale de fou TF. Il y a du cash prize il y a pas grand chose. Le premier gagne 500, un truc comme ça. C'est vrai que là je considère pas ce tournoi pour gagner, c'est juste cool d'être en finale. C'est surtout pour apprendre. Apprendre un max. Ça c'est vraiment des... Parce que sur le PBE, ce que je disais, parfois sur le PBE, les gens jouent pour tranquille, tu vois, ils testent des choses, ils s'amusent, et même moi, tu vois, je teste des choses et je m'amuse. Là, c'est du turbo tryhard, quoi. Parce que là, tu dois gagner, parce que c'est un tournoi, donc tu dois gagner. C'est pour ça que j'ai pris un risque avec l'œuf, que Magarki aussi a pris un risque avec l'œuf, tu vois, donc c'est... Mais en fait, du coup, TF, c'était un bait, je crois, dans cette game. TF c'était un bait et j'aurais dû jouer à Mumu 3. Parce que là, Mumu il était pas comtesse dans cette game. Je l'ai eu gardien, j'en avais 5. Mais comme j'avais TF, j'allais pas roll autre chose que à Mumu parce que Nico venait pas. Et je me suis laissé avoir en fait. Oh. Et puis surtout, en fait, il faut toujours se dire un truc, c'est que quand t'apprends à jouer correctement au jeu, donc là, bon, le set a un énorme potentiel, hein, no joke. La mécanique d'élu que tu peux avoir dans tes rôles, parfois tu prends un rôle naturel, parfois tu le vends et t'achètes, tu dois savoir quels élus peuvent te plaire et tout. Je pense qu'il y a un potentiel de malade.
Mais là, tout de suite, aujourd'hui, il est toujours déséquilibré. C'est-à-dire que Seraphine élu t'emmène beaucoup trop loin. Sona Ginzo, Sulfuro Broken. Et là, je pense que Riven est le prochain Broken. En vrai, parce que bon, ça tape vraiment très fort. Du coup, la paix sera moins fort, Riven va devenir fort. Donc, en fait, il y aura toujours des trucs plus forts que les autres. Et on va pouvoir naviguer avec ça, quoi. On va pouvoir naviguer avec... avec les compositions, parce qu'on sera entraîné à les jouer. Plutôt que, bah juste, par exemple, tu vois, les gens qui jouent que Yasuo, Reroll, un peu débile. Et là, on est sur une gigantesque Pima hein, pour Setsuko. Donc, Même par exemple, Crowd Diver, c'est vraiment exécrable. Il faut faire quelque chose par rapport à ça. Donc, Art Steel, c'est fort. Ouais, c'est pas mal, Arsene. J'aime bien. Je pense que le premier 3 cost, la première box que tu as 3 cost également est très importante. Parce qu'elle peut synergiser avec le reste. J'aurais pu faire mieux. Je vais regarder le replay de cette game plus tard. Il me reste un dernier round. Ouais, Echo est vraiment broken. Echo est 1000 fois plus broken que les autres. Mais genre 1000 fois. Donc c'est pour ça qu'il y a des trucs qui vont être nerfs, on le sait. Tu trouves pas qu'avoir 6 goals plutôt que 2-3 stars premier PvE est beaucoup plus faible? Oui, je suis 100% d'accord. Il a bien joué. Ah ouais, lui. On avait le même style de game. Il a l'air d'apprécier cette augment aussi. Moi, je l'ai jamais prise parce que... J'ai jamais trouvé que c'était le bon moment. Mais il a pris 2 fois d'affilée, c'est ça qui m'étonne. Ça lui donne un item et 10% max health shield. Le lien du classement marche pas? Ah ouais? Je vais checker pour s'il n'y en a pas un autre. Mais quand vous mettez le lien et que vous allez sur... Il y a un onglet, non? Il n'y a plus l'onglet? En bas, il n'y a pas... Stream... Lobby's final domingo? Ah bah non, chelou. Oh GG, c'est Tsuko. 36 PV, fin de stage 3. Zigzelus, Sona 2, Ginzo, comeback. Mérited. Je vais mettre les poubes rapidement pour la dernière game. Pour une Silver qui dit 10% max shield en plus avec Sona et Echo qui sont broken, c'est fort quand même. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Pour avoir accès au replay des games, moi j'ai un logiciel qui s'appelle Outplayed. C'est fait avec... avec Overwolf, et ça te permet d'avoir le replay des games.